Bien, coucou tout le monde, je suis le gamer. Alors, on se retrouve pour une vidéo d'information. Donc, c'est pour vous dire qu'on a trouvé, enfin, j'ai trouvé plutôt des nouvelles codes sources avec un ami. Donc, il y a quelques jours, je vous avais partagé des codes sources de Rockstar Games, donc où il disait que le nouveau DLC allait arriver dans les prochaines semaines. Donc, un DLC où on pourrait avoir des cascades et pas mal de choses avec SecuroServe. Et donc, du coup, je me suis dit. Bon allez, peut-être qu'ils ont ajouté des choses dans les sources et justement oui, ils ont ajouté pas mal de véhicules, enfin, on peut pas dire des véhicules, mais des véhicules qu'ils ont modifiés, donc il y avait une vingtaine de véhicules. Donc dans ces véhicules, on peut retrouver simplement des 4x4, des véhicules normales, des taxis, donc d'ailleurs, je viens juste de passer à côté d'un taxi, mais peu importe. Donc on peut retrouver plein de petits véhicules qu'on rencontre très souvent. Et justement, ces véhicules ont été un tout petit peu modifiés déjà, ils ont une couleur différente. On peut aussi rencontrer une camionnette qu'on n'avait pas. Voilà. Et donc, pourquoi ces véhicules sont différents? Tout simplement, déjà, ils ont une couleur différente. Donc, la plupart sont noirs. Le taxi, il est normal, par contre. Donc, en fait, dans ces véhicules, on peut retrouver des caisses. Donc, des caisses, sûrement par rapport aux bijoux et aux médicaments qu'ils avaient parlé qu'on pourrait revendre. Donc, par rapport à l'état du bijou qu'il allait coûter plus cher et tout. Donc là, on peut découvrir des caisses, des armes, de la drogue ou des colis. Et on peut aussi retrouver trois véhicules aériens, plutôt trois véhicules aériens. Donc un Titan sans les taches, tout en noir avec des grosses caisses à l'arrière. On peut aussi retrouver un petit avion comme ça avec des caisses à l'arrière, tout en noir. On peut aussi retrouver un hélico, donc un hélico basique à 4 places, justement. C'était hélico basique à 4 places aussi avec des caisses à l'arrière, donc de toute façon vous aurez des images à l'écran. Donc ce qui m'a assez choqué, c'est que j'ai trouvé toutes ces sources à peu près au même endroit, donc ils n'y étaient pas avant bien évidemment. Donc j'ai pas pu vous faire montrer tous les véhicules parce qu'il y en a une vingtaine, et malheureusement il y en a qui faisaient bugger le jeu parce qu'ils n'étaient pas tout à fait finis, on va dire. Rockstar ne les avait pas tout à fait finis. Donc j'ai pris quelques screens de certains des véhicules. De toute façon, si j'ai des nouveaux screens, je vous les partagerai. Donc dites-moi ce que vous pensez, pourquoi il y a des caisses dans ces nouveaux véhicules, pourquoi ils ont mis des caisses ici avec des armes et tout. Donc moi j'ai plutôt pensé tout simplement aux organisations, parce qu'ils en avaient parlé justement Rockstar Games par rapport aux modifications, les nouvelles missions et tout. Donc j'avais pensé aux ventes de drogue, d'armes et de bijoux, justement, tout ça serait dans ces caisses-là et on devrait les livrer à un endroit. Peut-être que ça serait ça, ma petite hypothèse. Ou bien, simplement braquage partie 2. Donc, peut-être que ça sera de l'argent à l'intérieur, justement, braquage partie 2. Donc, bref, peu importe, proposez-moi vos hypothèses sur ces véhicules. En tout cas, j'espère qu'ils vous ont plu. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur ces informations. N'hésitez pas à lâcher un petit like comme d'habitude, à partager, à commenter et pourquoi pas vous abonner. Allez, ciao ciao!